Vous avez sûrement entendu parler d'Impact École Biblique Internationale, une école biblique qui a formé plus de 16 000 étudiants depuis 2006 et qui a impacté tout autant de vies. Vous souhaitez accélérer la manifestation de votre destinée? Ça tombe bien! Vous pouvez choisir parmi 12 modules répartis en 3 packs. Le pack inébranlable avec les modules l'identité en Christ, la puissance du sang de Jésus, la personne la plus importante sur terre, le Saint-Esprit, bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes. Le pack victorieux avec les modules la prière qui produit des résultats, restaurer votre âme devenue mature, combattre pour posséder son héritage, préparez-vous pour l'éternité. Le pack conquérant avec les modules évangélisation, pourquoi devenir un gagneur d'âme, ministère, découvrez votre appel, accomplissez votre destinée, gérez vos finances selon les standards divins, gérez votre temps selon les principes divins. Vous aurez ainsi des vidéos de cours des enseignants, un échange interactif toutes les 2 semaines avec un formateur IEBI, un webinaire à la fin de chaque module avec le pasteur enseignant, une assistance spirituelle et technique, l'accès aux groupes privés Facebook et Telegram de votre classe, des supports de cours téléchargeables, ainsi qu'une cérémonie de remise de diplôme. C'est le moment de donner un coup d'accélérateur à la manifestation de votre destinée. IEBI, accélérateur de destinée. Bonjour, je m'appelle Edgar Djoko, j'habite dans la ville de Hambourg en Allemagne et je suis étudiant à IEBI promotion 2020-2021. Alors voici mon témoignage par rapport au module sur évangéliser, devenir un gagneur d'âme. Avant ce module, c'est vrai que j'avais participé à des évangélisations ouvertes, c'est-à-dire dans la rue, et aussi j'avais fait quelques-unes évangélisation de proximité, mais en fait il y avait toujours une crainte qui demeurait au dedans de moi, la crainte selon laquelle comment est-ce que je peux parler de Christ à mes collègues qui sont affines à la science, comment parler de Christ à ceux qui résonnent toujours avec la théorie de l'évolution, qui résonnent avec la théorie de Darwin et tout le reste. Et alors, j'avais toujours cette crainte au-dedans de moi de ne pas avoir des arguments suffisants. En plus, j'avais au-dedans de moi aussi la peur d'être rejeté. Et le module de l'évangélisation que nous venons de terminer m'a beaucoup aidé. Déjà, ça m'a retiré la pression de devoir obtenir immédiatement des résultats pendant l'évangélisation. Ça, c'est de 1. De 2, ça m'a donné une idée un peu plus claire de ce qui se passe si je n'évangélise pas. Comme l'apôtre Paul le dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Et en plus, l'enfer, ce lieu de souffrance éternelle sera surpeuplé par mes collègues qui sont toujours en train de raisonner. Et une autre chose que j'ai reçue du Seigneur après le module, pendant mon temps de retraite avec le Seigneur, c'est le Seigneur m'a donné un raisonnement logique. Il m'a donné point par point comment est-ce que je peux expliquer pourquoi est-ce que la foi est au-dessus de la science, pourquoi est-ce que la foi permet d'appréhender des choses que la science ne peut pas appréhender, notamment le processus de création. Et je bénis Dieu parce que je suis armé et équipé de bons arguments logiques pour pouvoir gagner les âmes, même parmi mes collègues, même parmi ceux qui raisonnent avec la science. Que le Seigneur soit loué et je bénis Dieu pour la vie de tous nos enseignants et du fondateur d'IEBI, le pasteur Yvan. Merci. Hello tout le monde, moi c'est Arlette depuis la ville de Nuremberg en Allemagne. Je suis étudiante à IEBI, pas de conquérant cette année. Gloire à Dieu parce que je commence à conquérir mon héritage. Donc je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour le pasteur Yvan et pour tout ce qui se passe à IEBI. Donc En fait, je voulais apporter un témoignage en ce qui concerne le module d'évangélisation, particulièrement la leçon sur les gagneurs d'âme. Alors, les obstacles d'un gagneur d'âme, en fait, le pasteur Christian a parlé de plusieurs, il a cité plusieurs obstacles, parmi lesquels le mépris et la moquerie. Là où je me suis sentie plus touchée, c'est lorsqu'il a parlé de... il nous a expliqué comment est-ce qu'on fait face à cet obstacle-là. Moi, j'ai reçu cette révélation pendant le cours selon laquelle il fallait pardonner, il fallait prier pour ces personnes afin que Dieu leur pardonne. Il s'est appuyé sur la parole de Luc 23, 34 à 35, là où Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Moi, j'avais l'habitude de ne pas en vouloir à ces personnes-là qui se moquaient de moi, qui me traitaient de tous les noms. Sauf que je n'avais pas la révélation de prier pour elle, et je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour le fait que j'ai appris à prier pour ces personnes, et nous serons des conquérants, nous serons des évangélisateurs, des évangélisatrices pour Christ. Peace! Salut tout le monde, ici la sœur Dune de Montréal, Canada. Alors je suis étudiante à IEBI Digital. Et là, vraiment, je vais parler de ce cours. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour le travail que vous faites, parce que depuis que moi, j'ai commencé à suivre IEBI, déjà, je suis à ICC, j'ai commencé à faire les cours à IEBI. Je vois l'impact que cela fait sur moi et le changement que le Seigneur est en train d'opérer dans ma vie. Et c'est juste incroyable, j'ai des révélations de la parole, parce que j'ai suivi le cours... à évangélisation, comment devenir un gagneur d'âme. Je ne savais pas que le premier rôle de tout chrétien, c'est que d'évangéliser. Maintenant, je fonce pour évangéliser partout, je marche dans ma destinée. Puis c'est juste incroyable comme expérience, c'est juste palpitant, comme gloire à Dieu seulement. Bonjour, je me prénomme Sandrine, je vis à Nantes, en France, et je suis étudiante à IEBI. Avant, j'aimais évangéliser. J'aimais parler de Christ aux personnes que je rencontrais. J'aimais témoigner de ce que Jésus a fait pour moi. Mais je ne savais pas réellement l'enjeu qu'il y avait derrière le fait de témoigner de Christ à une personne. Je n'avais pas la bonne technique. Et c'est durant cette formation que j'ai réalisé que je n'avais pas forcément les bonnes techniques. Pendant cette formation, on nous a donné des éléments d'évangélisation, des éléments de comment évangéliser, comment témoigner de Christ à une personne, et c'est au cas par cas. Et ces éléments, je les ai eus durant cette formation. Quand on témoigne à Christ, qu'est-ce qu'il faut faire avant, qu'est-ce qu'il faut faire pendant, qu'est-ce qu'il faut faire après. Ces éléments-là, je les ai eus durant cette formation. Et quand on sait pourquoi on doit faire une chose et comment le faire, on le fait mieux. Aujourd'hui, quand j'aborde une personne, je sais comment l'aborder, qu'est-ce qu'il faut lui dire, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'aborder la personne, qu'est-ce qu'il faut faire après avoir abordé, pendant que j'aborde la personne et après avoir témoigné de Christ. Voilà, du coup, je vous encourage tous à venir faire cette formation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous souhaite une bonne journée. Bonjour bien-aimés, je suis Rodrigue Lelessa, j'habite la RDC, précisément dans la ville de Colésie. Actuellement, je suis étudiant à IEBI, j'ai fait les pas conquérants et je viens de finir le module sur l'évangélisation. En tout cas, je témoigne de ce que ce module il est profond. Moi, de base, je suis évangéliste et voilà, je sortais déjà pour aller gagner les âmes, mais je ne sortais pas à tout moment, je n'avais pas forcément cette conscience. Mais au travers des différentes clés que j'ai reçues, entre autres, on nous a dit au fait que l'évangélisation c'est les battements du cœur de Dieu. En fait, gagner les âmes c'est les battements du cœur de Dieu. Et du coup, je me suis réajusté. Actuellement, je prends plaisir en tout cas à sortir pour aller gagner les âmes. Et c'est là à chaque instant, à tout moment. Dès que je dois quitter la maison, je suis vraiment rempli de cette conscience de ce qu'il y a des âmes que je peux sauver. Et du coup, je m'aligne à cette pensée-là. Et vraiment, je suis en train de voir actuellement la lumière du monde que je suis en train vraiment de prendre une autre ampleur, vraiment pour la seule gloire de Dieu. J'ai béni vraiment le Seigneur de ce que ces modules m'ont permis de gagner en temps dans ma façon d'évangéliser. En tout cas, il y a un avant et il y a un après ces modules. Gloire au Seigneur. Il y a une autre grâce qui s'est ajoutée dans ma vie. j'ai commencé à prendre plaisir à arroser les âmes. C'est vrai, avant, je les faisais avant de sortir, mais forcément, je ne les faisais pas, en tout cas, après. Mais actuellement, au travers des différentes clés, en tout cas, qu'on nous a données, je prends plaisir, je prends de mon temps pour arroser et avant de partir évangéliser et après, jusqu'à ce que la sémence qui a été plantée dans le cœur de personnes que je rencontre arrive à produire du fruit. J'ai béni vraiment le Seigneur de ce que ce module vient de me faire gagner le temps dans ma façon d'évangéliser. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de IEBI qui nous a accompagnés tout au long de ce module. Que le Seigneur bénisse en tout cas tous les corps enseignants de IEBI. Demeurez pour nous des modèles, vous nous inspirez beaucoup. Vraiment, que Dieu vous ramène dans plus de profondeur, dans plus de révélations. Le meilleur est à venir, vraiment accrochons-nous. À plus! Bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez, vous êtes à la bonne heure parce que vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes à la fréquence du Saint-Esprit. Si vous m'entendez, faites-moi juste un petit signe que je sois sûr que vous m'entendez bien. Super, c'est top. Alors laissez-moi prendre le temps de saluer quelques personnes avant qu'on puisse démarrer. Je vois qu'il y a beaucoup de caméras qui sont activées. Je vous invite à le faire si vous le pouvez et si vous le voulez bien. Bien évidemment, il n'y a pas de caractère obligatoire. Alors, qui c'est que je vois? Je vois Marie Camara. Salut Marie. Je vois Jennifer Lendoy. Salut Jennifer. Je vois Philippe Saint-Michel. Je vois Zito Assou, je vois Yolanda International, je vois Karine, je vois Papa Pierre, bonjour Papa Pierre, je vois Désiré, je vois Gendarme Bruno, je vois le Pasteur Adam, bonjour Pasteur, je vois Lanessa Pulcherie, bonjour à toi. En tout cas, vous êtes au bon endroit, au bon moment, vous êtes à Inside IEBI. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Je décide de devenir un gagneur d'âme ». En fait, les amis, avant de commencer, bien évidemment, il faut qu'on prie. Mais j'avais une pensée pendant que je réécoutais tous ces témoignages et que je repensais à la manière dont se déroulent les cours. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté. Je suis Yann, donc je suis moi-même formateur à IEBI, d'accord? Donc j'ai une classe et je fais les trois différents packs, donc selon le pack sur lequel vous êtes inscrit. Donc je fais aussi ce parcours avec vous, donc j'ai une idée très précise de ce qui se fait. Et c'est le pont direct avec la pensée que j'aimerais vous donner avant qu'on prie, c'est que je repensais à ce moment, à Inside IEBI, on va pouvoir donc poser des questions au formateur, à l'enseignant pardon, qui va nous donner des réponses tout à l'heure, qui va nous apporter des réponses. Je me disais qu'en fait, IEBI, les cours qu'on fait, ça me faisait penser de manière plus profonde à ce que Jésus faisait quand il enseignait à foule. Et maintenant, en fait, Inside IEBI, c'est le moment où Jésus prend les disciples et puis il leur explique en détail ce qu'il a voulu expliquer à la foule. Vous voyez, c'est vraiment ça, Inside IEBI. Je me suis dit, waouh! Alors du coup, j'ai prévu mon calepin, mes notes, parce que moi aussi je vais noter aujourd'hui, parce que quoi de plus beau que d'évangéliser, de parler de Jésus-Christ et aussi d'arroser ces âmes-là après avoir évangélisé et aussi avant par la prière. Il y a un homme de Dieu qui disait une chose, et c'est par là que je veux m'arrêter. Il disait, tous ceux dont on s'est moqué, dont on a rigolé quand ils enseignaient Jésus, tous ceux qui sont passés pour des idiots, des imbéciles, des gens qui n'avaient rien compris, qui perdaient du temps à enseigner Jésus, le jour où la trompette va sonner, le jour de l'enlèvement, le jour du retour du Seigneur, eh ben, ces gens-là qui étaient considérés comme des moins que rien vont se retrouver à être pour le monde entier de véritables génies intellectuels qui avaient discerné des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais c'était des choses que Dieu avait réservées pour toi qui es connecté et moi qui suis connecté et toutes ces personnes qui font partie du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon « Amen » ? Voilà, ce sera ton partage et mon partage aussi, je m'inclus dedans. Et si tu vois que je m'éloigne, évangélise-moi, ok ? Dis à ton voisin à la caméra, évangélise-moi si tu vois que je m'éloigne, hein ? Tu vois les techniques maintenant d'évangélisation, ok? Amen. On va juste élever la voix ensemble et prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci Saint-Esprit pour le privilège d'être là connecté pour écouter ta parole. Nous sommes connectés de partout dans le monde. Nous sommes juste en train de couler dans la parole que tu as libérée en disant que cette bonne nouvelle sera annoncée dans le monde entier. C'est parce que tu l'as dit à travers Jésus que nous pouvons nous connecter à travers le monde entier. Si cette parole n'avait pas été libérée, on n'aurait pas été là. Alors on te rend grâce car on reconnaît que c'est ton œuvre et c'est encore ta main qui est en train d'agir. Nous te prions, Saint-Esprit, d'inspirer les pensées de nos cœurs, d'inspirer les paroles de nos bouches, de celles de ton serviteur qui va nous conduire aujourd'hui, et que tout ce qui se fasse seulement pour la gloire de Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est dans ce même nom que nous avons prié, avec action de grâce, et nous disons Amen, 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 Amen. On peut acclamer le Seigneur là où nous sommes. Alors, sans plus tarder, parce qu'on a beaucoup de choses à entendre aujourd'hui, nous voulons accueillir donc l'enseignant qui nous a conduits sur ce module, hein, bien évidemment, qui est donc le pasteur des églises Impact Centre Chrétien au Benelux. J'aimerais qu'on puisse accueillir maintenant le pasteur Christian Saboukoulou. Bonjour, pasteur Christian, si vous êtes avec nous. Oui. Bonjour, enfin bonsoir, comme tu as dit tout à l'heure, il y en a qui sont le soir, d'autres qui sont en pleine journée. Donc, je dirais juste salut, parce que dans salut, il y a bonsoir et il y a bonjour. Amen, donc, amen, salut amen. Tout le monde, shalom tout le monde. Voilà, j'ai vu que on est connecté d'un peu partout. Hein. Voilà, je reconnais un peu certains noms. Il y a des noms, quand on les voit, on sait à peu près d'où ils viennent. Tout à fait. Yao, c'est près, voilà, Yao, c'est vers la lagune ébriée. C'est ça. Rondo, c'est vers Elbev, hein, des choses comme ça. Zedom, ça doit être vers le Cameroun. Hein. Tout à fait. En tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes, voilà, que Dieu vous bénisse et bienvenue donc à cette Inside IEBI ce soir porté sur le thème de gagneur d'âme. Voilà. Amen. En tout cas, pasteur Christian, nous, on a hâte. Si quelqu'un a hâte, est-ce qu'il peut faire un signe en cliquant ou faire un signe de la main? Nous, on a hâte d'entendre de manière un peu plus profonde ce que le Seigneur a posé sur votre cœur aujourd'hui. Donc, la parole est à vous, pasteur Christian. Nous, on a nos stylos et nos notes et on est prêt à prendre note. On vous écoute maintenant. Ok, très bien. On peut prendre des notes, c'est vrai, mais le plus important, c'est d'ouvrir son cœur. Amen. Face à la parole de Dieu. Voilà. Amen. Ben, on va encore élever la voix hein, pour ouvrir nos cœurs, pour que le Seigneur nous accorde cette grâce ce soir, pour Amen. Que le temps qu'on passera soit un temps d'édification et un temps qui nous ouvre les yeux sur certaines choses. Voilà, Père de grâce, nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire merci encore pour cette plateforme IEBI, cette plateforme que tu as suscitée. Oui, nous croyons que c'est vraiment une œuvre suscitée par l'Esprit. Qui porte du fruit depuis déjà, ça a été dit, depuis déjà de longues années, depuis 16 ans, avec des dizaines de milliers de bien-aimés qui sont passés par cette plateforme. Merci pour les témoignages que nous avons entendus. Et il y en a tellement d'autres sur tellement de domaines, tellement l'école est riche en thématiques, en profondeur de la parole. Nous te bénissons pour chacun d'entre nous et prions que vraiment tu nous permets de recevoir quelque chose de ta part ce soir, un dépôt divin qui nous permettra, qui nous aidera à être ce que nous devons être et à faire ce que nous devons faire. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te recommandons chaque seconde, chaque minute de cette soirée connectée. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés. Donc, voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, pour commencer, parce qu'il y aura des questions, mais les questions, c'est vraiment après. C'est vraiment après. Là, on est dans un modèle masterclass. Donc, masterclass, bah, il faut d'abord écouter voilà, on va dire l'animateur ou l'enseignant parler. Alors, le thème de cet inside, d'ailleurs, j'en profite pour dire que y a plusieurs insides. Hein, ce sont des moments qui sont comme ça, en fin août, début septembre. C'est pour exposer un peu le contenu de l'école IEBI, pour vous mettre pendant quelques instants au cœur de IEBI et de voir vraiment le panel de thématiques abordées par la grâce de Dieu de manière édifiante et de manière profonde. Alors, IEBI, IEBI, c'est Impact École Biblique Internationale. Et le B, le B là, c'est le mot biblique. Voilà, que quelqu'un nous amène. Le B, c'est le mot biblique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est dit ici, dans cette plateforme, tout ce qui est fait, tout ce qui est dit ici, à travers cette plateforme, est basé sur les Écritures. C'est basé sur la parole de Dieu, c'est basé sur la Bible. Quand on dit IEBI, Impact École Biblique, c'est vraiment ça, c'est biblique. Donc, et c'est parce que c'est biblique que cette plateforme permet de transformer les vies. C'est le fait que les enseignements soient basés sur la parole de Dieu, que c'est ça qui donne de la force, c'est ça qui donne de l'authenticité, qui donne de l'envergure, de l'efficacité, de la profondeur à cette formation. C'est vraiment le fait d'être basé sur la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, verset 8, il dit, ce texte que vous connaissez probablement déjà, ce texte qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » C'est-à-dire, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Quelle que soit la nature de ce que tu entreprendras, tu auras du succès, tu réussiras. Pourquoi? Parce que tu agis conformément aux Écritures, conformément à la pensée de Dieu, aux principes de Dieu. Que quelqu'un nous amène à ça. Voilà, ça c'est vraiment la première, je dirais, la première spécificité de IEBI. C'est la première spécificité. Et puis, vous avez une formation qui existe déjà depuis 15-16 ans et qui a vu... plusieurs dizaines de milliers de personnes suivre cette formation et en ressortir avec un témoignage. Ce type de formation, ça ne peut pas être une formation inutile, ça ne peut pas être une formation anodine, c'est forcément une formation qui va apporter quelque chose en plus à votre vie chrétienne. En tout cas, je le dis pas par, je veux dire... par prétention ou autre, je le dis parce que c'est au sortir de cette formation, ce sont les témoignages que nous avons à chaque fois. Donc, bienvenue à cet Inside et ensuite, je vous dis déjà bienvenue à la vraie IEBI. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de gagner les âmes. Voilà, gagner les âmes, c'est le thème de cette Inside ce soir. Donc, ça fait l'objet d'un module, comme ça a été dit tout à l'heure. Et pour commencer cette masterclass, j'aimerais nous dire, bien aimés à nous tous, qu'il y a certaines choses qui sont communes. On va commencer avec ça. Il y a certaines choses qui sont communes à tous les êtres humains sur la Terre. Il y a certaines choses qui sont communes à tous les êtres humains, quelle que soit votre origine, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit le lieu où vous êtes né, quel que soit le quartier dans lequel vous habitez, quelles que soient les études que vous avez faites ou pas, il y a plusieurs choses, et je vais en citer 4, qui sont en fait plusieurs choses qui sont communes à tous les hommes. La première chose d'abord, c'est que nous venons tous, chacun d'entre nous, et ceux qui nous ont précédés sur la terre, et ceux qui vont nous succéder sur la terre, nous venons tous de l'éternité et nous repartirons tous dans l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la terre des vivants, sur la terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes que de passage. On vient de quelque part, on vient de l'éternité et on repart dans l'éternité. Donc quand on parle de Gandhar, il faut d'abord comprendre un peu ça. C'est comprendre d'où nous venons. Parce que lorsqu'on comprend d'où nous venons et où nous allons, on comprend pourquoi il faut gagner les âmes. Dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 27, la Bible nous montre, elle nous explique d'où nous venons. Nous ne sommes pas descendus du singe. Il n'y a aucun d'entre nous qui est descendu du singe. Non, 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 non. Nous, le singe, il descend de l'arbre. Nous, on peut descendre de l'ascenseur, de l'escalier, de l'avion, mais on ne descend pas du singe. Ça, c'est clair et net. Genèse chapitre 1, verset 26 dit que Dieu nous a créés selon son image, à son image et à sa ressemblance. Et ça, c'est ça la vérité. Le texte le dit. Dieu, après avoir formé Avant d'avoir créé, il a fait une œuvre créatrice, et à la fin de cette œuvre créatrice, il crée maintenant l'être humain selon son image et selon sa ressemblance. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les êtres humains que nous sommes, ceux qui nous ont précédés, ceux qui vont nous succéder, et nous tous qui sommes vivants sur cette terre à cet instant, en fait, nous avons été créés le même jour. C'est là, on vient donc de l'éternité. On a été créés à l'image de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Donc, on a été créés esprit. Tous, on a été créés le même jour. C'est Genèse chapitre 1, verset 26-27. C'est ce jour-là qu'on a été créés. Maintenant, si vous prenez votre acte de naissance, vous allez voir une date. Cette date-là correspond à peu près à 9 mois avant le jour où vous avez été manifesté ou encore suscité sur la terre. Vous voyez? Donc, il y a une date de création de l'être humain, tous les êtres humains, et donc que tu as été créé comme moi ce jour-là, Genèse chapitre 1, verset 26, ça c'est l'esprit, et ensuite, Dieu nous a donné, nous a formé un corps, et ça n'a pas été le même jour pour tout le monde. Il y en a, ça a été il y a 3000 ans, il y en a, c'était il y a 4000 ans, il y en a, c'était en 1980, d'autres en 1960, mais en tout cas, Dieu nous a formé un corps. Il nous a formé un corps à quel moment? À peu près 9 mois avant la date qui est inscrite sur votre acte de naissance. Si quelqu'un me suit qui dit simplement Amen. Amen. Je regarde si... On peut dire Amen dans les commentaires aussi. Hein? Ah oui. Ah, il me faut au moins 10 Amen pour continuer. Voilà, c'est bon. Alors ça, c'est d'où nous venons. Maintenant, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Il faut aussi comprendre ça. Dans Jacques chapitre 4, au verset 14, en fait, l'apôtre Jacques dit ceci. Il dit, alors attendez, je vais le lire, il dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui ensuite disparaît. » Vous voyez? En fait, l'être humain, l'échelle de la vie humaine, même si quelqu'un vit jusqu'à 120 ans, l'échelle de la vie humaine n'est qu'une vapeur comparée à l'immensité de l'éternité. Donc, notre temps de parcours sur la terre, comparé à l'éternité, ce n'est qu'une vapeur, ce n'est qu'une vapeur. Et on repart, on vient de l'éternité, on arrive sur la terre, et à un moment donné, on repart dans l'éternité. Le corps va retourner à la poussière, mais l'homme intérieur, l'esprit qui a été créé en Genèse chapitre 1, verset 26, lui, il ne peut pas retourner à la poussière. Lui, il ne va pas rentrer dans une tombe. Il ne va pas rentrer dans un cercueil. Il va repartir dans l'éternité. Et maintenant, la question est, est-ce qu'il repart dans l'éternité auprès de Dieu, d'où il a été tiré, créé, ou bien est-ce qu'il repart dans l'éternité éloigné de Dieu? Et c'est ça qu'on appelle l'enfer. Et l'éternité n'a pas de fin. Une peine éternelle, la peine éternelle qui correspond à être séparé de Dieu pour l'éternité, ce n'est pas une peine de 20 ans, ce n'est pas une peine de 30 ans, ce n'est pas une peine de 50 ans qui va s'arrêter un jour, ce n'est pas une peine même de 2000 ans qui vont s'arrêter un jour, c'est une peine qui ne s'arrête pas, c'est une peine éternelle. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Donc ça, c'est la première chose. Nous venons tous de l'éternité et nous repartirons dans l'éternité. Deuxième chose qu'il faut comprendre aussi, que c'est le point commun à nous tous, quel que soit notre âge, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre nationalité. La deuxième chose qui est notre point commun, c'est que Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous. Et Dieu aime les bons, le bon comme le méchant. Dieu aime tout le monde. Il n'y a pas une personne sur la terre que Dieu n'aime pas. Dieu n'approuve pas les choix et les actes de tout le monde, mais Dieu aime tout le monde. Et il a prouvé, il est dit dans Jean 3,16, ce texte tellement important de la parole, dans Jean 3,16, il dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde, ça veut dire qu'il a aimé tout le monde dans le monde. Il a aimé les bandits, il a aimé les criminels, il a aimé les gens pieux, il a aimé les gens qui se préservent dans la sainteté, et il a aimé aussi les gens qui se souillent. Dieu a aimé, Dieu aime le pécheur. Bien sûr, il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Donc ça nous correspond à quelque chose qui est en commun pour nous tous. On vient tous de l'éternité, On repartira tous à un moment donné dans l'éternité. Dieu nous a tous aimés. Et autre chose qui est un point commun, Dieu veut tous nous sauver. Parce que la suite de Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc Dieu veut nous sauver. Il nous a aimés, il nous aime et il veut nous sauver. Maintenant, autre point pour terminer avec cette introduction. S'il vous plaît, il faut couper les micros, sinon on ne va pas... Là, c'est la régie qui doit faire son travail. La régie. Voilà. Merci. Et donc, j'étais en train de dire qu'il y a une autre chose qui est importante à savoir, en plus du fait que nous ne sommes que de passage sur la terre, que Dieu nous aime tous, que Dieu veut tous nous sauver. Maintenant, toutes celles et ceux qui ont été sauvés par la foi en Jésus-Christ, par le salut en Jésus-Christ, eh bien, en fait, une fois sauvés, Dieu veut que nous devenions des gagnants d'âme. Que quelqu'un dise Amen à ça, ou que quelqu'un y crie Amen, ou en tout cas, il faut que Amen sorte. Amen. Donc, une fois sauvés, Dieu ne nous a pas retirés de la terre. Une fois sauvés, Dieu nous laisse sur la terre dans le but de mettre à profit notre salut pour contribuer à sauver d'autres personnes. De la même manière que nous avons été sauvés parce que des personnes ont été pour nous des gagneurs d'âmes pour nos propres âmes, nous devons maintenant rejoindre cette armada, cette armée d'hommes et de femmes sauvés et qui contribuent à sauver, à gagner les âmes dans l'environnement dans lequel le Seigneur les a placés. Que quelqu'un dise Amen à ça encore. Amen. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment la pensée de Dieu. Les derniers mots du Seigneur Jésus à ses disciples avant de monter au ciel, avant d'être enlevé au ciel et de monter s'asseoir à la droite de Dieu le Père, les derniers mots du Seigneur on les retrouve dans Marc 16, verset 15, on les retrouve dans Matthieu 28, verset 19, et le Seigneur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, lorsqu'on comprend l'importance des dernières paroles d'une personne avant de quitter la terre, on comprend quel est le cœur, quel est le battement du cœur de Dieu par rapport aux hommes. C'est que les hommes soient sauvés. C'est que ceux qui ont été sauvés contribuent à sauver ceux qui ne le sont pas encore. C'est le message clair que Jésus donne à ses disciples avant de les quitter physiquement. Il donne ses dernières instructions. Quand quelqu'un sent qu'il doit partir et qu'il réunit ceux qu'il aime, en fait, le message, les dernières paroles d'une personne qui sait qu'elle doit partir sont toujours des éléments très importants qui correspondent à ce qui lui tient le plus à cœur. Quand on sait qu'on doit partir et on a l'opportunité de parler, on ne dit pas n'importe quoi. On sait exactement ce qu'on doit dire. Et là, ça correspond à notre désir le plus intense. Le désir le plus intense de Jésus, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, c'est ce qu'il nous dit, c'est aller partout le monde, c'est-à-dire aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Que quelqu'un dise Amen encore. Amen. Je regarde. Moi, je regarde. Si je n'ai pas dit Amen, je n'avance pas. Voilà, là, il y en a. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'était la première chose. Et il faut comprendre, donc, à travers cette introduction, c'est qu'en fait, gagner les âmes, c'est un mandat divin. Gagner les âmes, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Ensuite, ce qu'on peut dire, toujours dans à travers cette masterclass UBI de ce soir, c'est que gagner les âmes, c'est vrai, c'est un mandat divin, mais gagner les âmes, en fait, devenir un gagneur d'âme, c'est aussi la suite d'une décision. C'est une décision qu'il faut prendre. C'est important de comprendre ça. On décide de gagner les âmes. On décide. On ne devient pas gagneur d'âme par hasard. On décide de gagner les âmes. on peut contribuer par hasard à sauver une âme, à sauver une âme, à rapprocher quelqu'un du Seigneur. Mais quand on veut être un gagneur d'âme, on doit le décider. On décide de porter cette casquette-là de gagneur d'âme. Dans Marc chapitre 1, verset 17, lorsque Jésus recrute quand il recrute ses disciples, les premières paroles que Jésus leur donne, en fait, c'est des paroles d'engagement. Il dit suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, c'est-à-dire je ferai de vous des gagneurs d'âme. Amen. Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes, c'est-à-dire des gagneurs d'âme. Donc, la première chose qu'il dit, il dit « Suivez-moi ». C'est-à-dire qu'il y a un engagement, il y a une décision. Tu veux gagner les âmes, tu veux obéir à Dieu, tu veux que ta vie soit en phase avec les battements du cœur de Dieu. Eh bien, il y a une décision à prendre. Jésus dit « Suis-moi, suis-moi ». C'est-à-dire tu décides « Suis-moi et je ferai de toi un gagneur d'âme. Suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'âme. » Donc, gagner les âmes, c'est un mandat divin, ça on l'a vu. Gagner les âmes, c'est également une décision que tu prends. Voilà, je répète, tu peux contribuer à sauver une âme sans l'avoir décidé par ton comportement, par différentes choses. Mais quand tu veux devenir un gagneur d'âme, c'est-à-dire être un pêcheur, par exemple un pêcheur de poissons, ce n'est pas quelqu'un qui pêche les poissons par hasard. Vous voyez ? Eh bien, un gagneur d'âme, un pêcheur d'âme, c'est quelqu'un qui ne le fait pas non plus par hasard. Ça procède d'une décision. Je décide. C'est pour ça que j'aime ce titre. J'aime le titre de cet Inside de ce soir. Je décide de gagner les âmes. Si tu décides de gagner les âmes, alors dis Amen avec moi et on avance. Ah, Eugène a dit Amen. Alain, Marlène, Janine, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, on continue, toujours par rapport à gagner les âmes. On l'a un peu déjà expliqué tout à l'heure, mais il faut le comprendre de manière encore plus claire. Gagner les âmes, c'est une préoccupation universelle. Gagner les âmes, je répète, c'est une préoccupation universelle. Sauver les âmes, c'est dans cette saison de l'éternité, sauver les âmes, c'est la préoccupation première et centrale de tout l'univers. De tout l'univers. Tout l'univers, il n'y a que sur la Terre qu'on ne comprend pas ça. Mais dans tout l'univers, dans le ciel, et on va le voir, même en enfer. En fait, gagner les âmes, c'est la préoccupation première et centrale de tout l'univers. Excepté, bien sûr, de la part du royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres, ils ne veulent pas gagner des âmes. Satan et ses démons et tous ceux qui travaillent avec lui ne veulent pas gagner les âmes, au contraire. Mais mis à part de tout le reste, en fait, la préoccupation, c'est gagner les âmes. C'est la préoccupation du ciel, ça c'est clair, puisqu'il est dit dans 1 Timothée 2, verset 4, il est dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est sa préoccupation. Et même Jésus explique que lorsque quelqu'un qui a été une brebis du Seigneur est amené par toutes sortes de choses, en tout cas, et séduit par toutes sortes de choses et écarté de la présence de Dieu. Si quelqu'un qui avait donc marché avec Dieu se retrouve rétrogradant et s'éloignant de Dieu, en fait, le Seigneur dit que cette âme-là qui s'éloigne, qui était venue à lui et qui s'éloigne, devient en quelque sorte plus importante que les autres qui sont déjà sauvés. Parce qu'il dit, Jésus pose la question à ses contemporains, il dit, mais lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et il y en a une qui se perd, une qui s'égare, lequel d'entre vous ne prend pas les 99 qui sont encore là, il les sécurise et il va chercher la seule brebis qui lui manque. Et quand il la trouve, il est heureux. Et le Seigneur dira que le Père ne veut pas qu'un seul de ses petits ne se perde. Donc, c'est vraiment une préoccupation. La préoccupation de Dieu aujourd'hui, c'est de gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, il a besoin de gagneurs d'âmes. Parce que du ciel, il ne peut pas le faire directement. Il a besoin d'un appui terrestre. Et cet appui, c'est chacun de nous. Que quelqu'un dise amen encore à ça. Bon, il y aura beaucoup de amen. Le mot le plus plébiscité sur la plateforme Inside UBI, c'est amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc le ciel, le cœur de Dieu est préoccupé par le salut des âmes. Et aussi, donc, ça implique aussi les anges. Parce que la Bible dit que, dans Hébreu, il est dit que les anges, c'est une question qui est une affirmation. On dit, les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, hein, exerçant un ministère pour ceux qui héritent du salut. Donc, les anges aussi, ils sont déployés pour aider, accompagner celles et ceux qui sont sauvés et qui gagnent les âmes. Donc, dans le ciel, c'est la préoccupation principale. Dieu est plus préoccupé par gagner les âmes plutôt que par te donner un travail, un mari, quoi encore, de l'argent ou ce que tu veux. C'est pas mauvais, mais c'est pas la préoccupation de Dieu. Tu vois? Donc, on a dit que le ciel est préoccupé par ça. Mais il n'y a pas que le ciel. Je disais aussi tout à l'heure que, en fait, même les personnes qui sont en enfer pour l'éternité, en vérité, ils sont préoccupés par le salut des âmes aussi. Et on le voit dans Luc chapitre 16, verset 19. On peut le lire ensemble, si vous permettez. C'est un texte un peu long, mais franchement, j'aimerais qu'on puisse le lire parce qu'il y a tellement de choses qui sont contenues dedans. Alors, il est dit ici, c'est Jésus qui explique. Jésus dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, c'est-à-dire qu'il s'habillait de manière très, ostentatoire, voilà. En tout cas, de manière très, voilà, il était très riche. Et donc, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Waouh! Verset 22. Le pauvre mourut parce que, en fait, tout le monde doit partir. Voilà. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi. Ben oui, pauvre ou riche, il y a un point commun. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pauvre ou riche, il y a un point commun. On vient de l'éternité et on repart dans l'éternité. Donc, le pauvre meurt, le riche aussi meurt. La richesse ne garantit pas la vie. Ah non, il était riche, mais il est mort aussi. Mais il est dit que le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Donc, ça veut dire que après la mort, en fait, il y a encore une vie. Parce que ce qui meurt, on l'a dit tout à l'heure, ce qui meurt, ce n'est pas l'homme intérieur. Ce qui meurt, c'est le corps qui repart à la poussière. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été enseveli. Mais au verset 23, on dit que ce même riche qui est mort, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ça veut dire que, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans un enseignement compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça veut dire que les gens qui sont morts, ils voient encore dans l'éternité, qu'ils soient au ciel ou en enfer. En enfer, les gens ont la capacité de voir. Et on dit, la Bible précise ça parce qu'il y en a qui pensent que on peut faire tout ce qu'on veut sur la terre et puis de toutes les manières, quand on meurt, c'est comme si on éteint la lumière. On éteint la lumière, pouf, il n'y a plus de son, il n'y a plus d'image. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On éteint la lumière sur la vie terrestre, mais on ouvre, on allume la lumière sur la vie dans l'éternité. Et donc là, on voit que le riche qui est en enfer, il lève les yeux, il a la capacité de voir. Et tandis qu'il était en proie au tourment, donc on nous explique ce qui se passe en enfer, les gens sont en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc on a dit, il voit, de loin il voit Abraham. Il voit Abraham dans ce qu'on peut, on appelle à l'époque, ça s'appelait, c'est le sein d'Abraham. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a plus le sein d'Abraham. Aujourd'hui, quelqu'un qui meurt en Christ, il va directement au paradis. Parce qu'entre-temps, Jésus est mort à la croix. Entre-temps, le sang de Jésus nous a été versé et nous a réconciliés avec le Père. Donc, quand quelqu'un meurt, en fait, il va directement au ciel, au paradis, dans la présence de Dieu. Mais le sang d'Abraham était à l'époque, en fait, avant que Jésus ne réalise son œuvre achevée à la croix, toutes celles et ceux qui mouraient dans le Seigneur, qui avaient marché avec Dieu, étaient envoyés dans un lieu qu'on appelle, il était dans le séjour des morts, et ce lieu on appelle le Saint d'Abraham. Et les gens qui étaient dans le Saint d'Abraham, les Abraham, les David, les Josué, les Moïse, etc., ils attendaient en fait que le Messie vienne pour les libérer. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Alléluia. Donc nous continuons dans le texte. C'est un texte pour lequel on pourrait passer des heures et des heures, tellement il est édifiant. Et donc il est dit, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, donc ça c'est celui qui est en enfer, il s'écria, « Père Abraham !» Il doit crier parce que les autres sont loin. Il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Donc, il est en train de décrire même des scènes qui se passent en enfer. Donc, ils sont au milieu d'une flamme avec une gorge asséchée, désireux d'avoir de quoi boire, même une petite goutte sur un doigt leur ferait du bien. C'est terrible. Et il dit qu'il souffre cruellement. Donc, verset 25, Abraham répond, parce que lui, il dit, envoie Lazare pour qu'il vienne tremper un peu son doigt, pour que j'ai au moins un peu de d'eau. Mais, donc, verset 25, Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Donc, Abraham le ramène à sa vie. Il dit, « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Entre parenthèses, ça veut dire que dans bon, est-ce qu'il faut dire ça? Non, ça, on dira ça à Yobéi directement. Là, c'est inside, on ne peut pas tout dire. Voilà. Eh bien oui, c'est aussi une sorte de teaser, hein, tu vois. Donc, il dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que vous... » Ouais, vous avez entendu, hein? « Il ne vous voit pas le riche. » Parce qu'avant ça, il tutoie le riche. Il dit, tu as eu pendant ta vie. Mais ensuite, il dit, il y a un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux là-bas. Il n'est pas tout seul, l'homme riche. Il dit, vous, ils sont nombreux là-bas. Et donc, mais ils ne peuvent pas sortir. C'est impossible. Verset 27, le riche dit, je te prie donc. Alors, c'est là qu'il faut bien me suivre. Au verset 26, il s'intéressait, le riche en enfer, il s'intéressait à son propre cas. Il s'intéressait à sa situation difficile, au milieu des flammes de l'enfer, sans avoir, avec la gorge sèche, dans une agonie permanente, mais il ne peut pas mourir parce que il a été créé en Genèse 1, verset 26, à l'image de Dieu. Or, l'esprit est éternel. Donc, il ne peut pas mourir, mais en même temps, il est en train de mourir, mais c'est comme une agonie, mais qui ne s'arrête pas. Et il souffre. Et donc, avant le verset 27, il est concentré sur lui. Amenez-moi de l'eau, faites-moi du bien, essayez de m'aider. Mais quand il comprend qu'en enfer, plus personne ne peut l'aider, maintenant, il commence à penser différemment. Il dit, il sait que son sort est fini. Et au verset 27, il dit, je te prie, Abraham, Père Abraham, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car là-bas j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin que mes frères ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui est en enfer. Voici quelqu'un qui n'a pas marché avec Dieu, qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu, qui est en enfer, qui souffre là-bas et qui pense à ceux qu'il a laissés sur la terre. Et sa pensée, c'est quoi? C'est qu'on envoie des gens pour aller les évangéliser. Parce que c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en fait en train de dire, depuis l'enfer, il est en train de vouloir organiser des sorties d'évangélisation. Depuis l'enfer, il est en train de vouloir dire aux gens, mais allez-y, allez parler à mon oncle, allez parler à mon, je sais pas, à mes enfants, allez parler à mes frères, parce que eux, ils sont encore vivants, donc ils ont encore la possibilité de se repentir. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut que quelqu'un aille leur parler. Il faut que quelqu'un décide d'aller leur parler. Donc, depuis l'enfer, ce monsieur-là, qui n'a pensé à Dieu, qui n'a jamais pensé à Dieu pendant sa vie, qui s'est moqué des chrétiens, qui s'est moqué de l'Église peut-être même, en enfer, il devient maintenant un évangéliste. Un évangéliste qui veut organiser des croisades pour que les gens de sa famille soient sauvés. Mais le problème, c'est qu'en enfer, il n'a aucune capacité, aucune possibilité d'agir. Que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et donc, Abraham répond, mais ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Que tes frères écoutent Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, ça, là, il parlait de Moïse et les prophètes pour ce monsieur-là. Mais aujourd'hui, les Moïse et les prophètes, ce sont les enfants de Dieu. C'est toi, c'est moi, c'est ton voisin, c'est ta voisine. C'est Estelle, c'est Esther. C'est Eski, c'est qui encore? Je regarde, c'est Jennifer, c'est Raoul, c'est Evelyne, c'est Arlette, c'est Eunice, Eugénie, c'est Félicine, c'est Fatou, c'est Farah, Fabiola. Donc, en enfer, ils sont en train là-bas, ils sont en train de crier, de dire, mais allez-y! Nous, on a nos enfants qu'on a élevés. Ces enfants-là, on leur disait que Dieu n'existait pas. Ces enfants-là, on leur disait que de toute façon, l'enfer et le paradis, ça n'existe pas. Et puis d'autres disaient que de toute façon, on ira tous au paradis. Et d'autres disaient de toute façon, ce qui compte, c'est de faire plus de bien que de mal et puis tu iras au paradis. Mais ils réalisent qu'en fait, c'est que des fables. C'est que des en fait, il y a une seule chose qui compte, c'est se réconcilier avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Oh, j'ai fait une grande parenthèse. Oh là là, Seigneur Jésus. Le temps passe si vite. C'est pour ça qu'il faut s'inscrire à y obéir. On a plus de temps. Oh, vraiment. Jennifer est en train de sourire. Ben oui, mais c'est ça. On a plus de temps. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que c'est gagner les âmes, c'est une préoccupation universelle. Donc, Dieu, les anges, les êtres au ciel, et également les gens qui sont en enfer, tout le monde désire que les gagneurs d'âme soient en action. C'est terrible quand même, hein? Oui ou non? C'est terrible, hein? Le purgatoire n'existe pas. Bien sûr, le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire, c'est une invention humaine. Il n'y a pas de purgatoire. Donnez-moi dans la Bible l'endroit où on parle de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. La Bible dit, la Bible est claire. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Hein? Après, c'est la mort. Et après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y en a pas. Dieu a dit, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la bénédiction. Si tu ne choisis pas la bénédiction, alors tu vas en enfer. Quelqu'un va dire, oui, mais si Dieu est amour, alors pourquoi est-ce qu'il a inventé, pourquoi est-ce qu'il a créé l'enfer? Si Dieu est amour, pourquoi il a créé l'enfer? Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, mais en fait, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens vont en enfer? Ils vont en enfer parce qu'ils rejettent Dieu. Ils vont en enfer parce qu'ils rejettent Dieu. L'enfer, c'est être éloigné de Dieu, hein. Mais être éloigné de Dieu, mais c'est l'enfer en fait, parce que tu peux pas, tu as été créé par lui et tu dois être dans l'environnement de la source qui t'a créé. Dieu n'envoie pas les gens en enfer. Non, lui veut sauver les gens. Il n'envoie pas les gens en enfer. S'il voulait envoyer les gens en enfer, il n'aurait pas envoyé Jésus-Christ. Non, ce sont les gens qui en refusant Dieu vont en enfer. Puisque Dieu dit, bon, puisque vous ne voulez pas de moi, eh bien, je respecte votre choix. Parce que quand on a dit que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance, attention, hein, dans l'image et la ressemblance, il n'y a pas que la longévité éternelle, il y a aussi le libre arbitre. Personne ne peut imposer quelque chose à Dieu. Il a un libre arbitre. Et quand il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, il nous a aussi accordé cette grâce-là. Enfin, oui, c'est une grâce. Parce qu'on n'est pas des robots. C'est le libre arbitre, la capacité de choisir. Tu choisis Dieu ou tu ne choisis pas Dieu. Tu choisis la vie éternelle ou tu choisis la mort éternelle. Tu choisis de saisir le bras tendu de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ ou tu choisis de ne pas le saisir. Mais si tu ne le choisis pas, Dieu ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. Tu ne veux pas de lui, eh bien, ok, il t'aime, mais comme tu ne veux pas de lui, eh bien, il est obligé de respecter ton choix. Mais le problème, c'est que quand il respecte ton choix, tu es une poussière, une vapeur sur la terre, mais quand tu repars dans l'éternité, mais loin de Dieu. Et ça, c'est pour l'éternité, ça c'est l'enfer. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Ou que quelqu'un dise aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, nous sommes en train de dire, hein, je répète encore une fois, que le ciel, mais également les gens qui sont en enfer, tout le monde est préoccupé par le salut des âmes. C'est extraordinaire. Alors, on continue, parce qu'il nous reste encore... Ouh, ça va vite. Il nous reste encore un peu de temps. On continue alors. Autre chose, c'est quoi? C'est que gagner les âmes, c'est un art à apprendre et à développer. Que quelqu'un dise amen à ça aussi. Gagner les âmes, on peut dire que c'est un art à apprendre et à développer. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient connectés dès le début, parce qu'on a commencé à 20h20, 25h30, eh bien, vous avez eu des témoignages, plusieurs ont donné des témoignages qui sortaient déjà évangélisés, mais que suite en fait à ce qu'ils ont appris au sein de IEBI par rapport à l'évangélisation, ils ont amélioré leur efficacité en tant que gagneurs d'âme. Vous voyez? Donc en fait, ça s'apprend. L'apôtre Paul a dit, il dit aux Corinthiens, aux églises de Corinthe, il dit, je vais prendre le texte il est dans 1 Corinthiens 9, verset 19. Il dit, car bien que je sois libre, c'est Paul qui parle, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, j'ai été comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. À verset 21, avec ceux qui sont sans loi, j'ai été comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Que quelqu'un les amène. Et il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Amen. Ça veut dire que si on comprend, enfin, on réalise que Paul est en train de dire que on peut employer le mot. Après, on peut trouver des synonymes si le mot ne plaît pas. Mais il est en train de dire qu'il y a un art pour gagner les âmes. On apprend à gagner les âmes. Quelqu'un qui est un bon gagnant d'âme, c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux situations. Comme Paul. Paul dit, je sais m'adapter. Quand je suis au milieu des Juifs, je fonctionne comme un Juif afin de me rendre acceptable, écoutable aux yeux des Juifs dans le but de les gagner. Quand je suis avec des non-Juifs, des gens qui sont sous la loi, je fais comme si j'étais sous la loi. Et ça ne veut pas dire que si je suis avec les pécheurs, je pêche. Hein. Ce n'est pas ça. Hein. Non. Ça veut dire que je me rends écoutable. Je ne vais pas aller à l'encontre, je ne vais pas aller frontalement à l'encontre des choses qu'ils font dans leur vie et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, je vais me rendre écoutable pour qu'ils puissent entendre mon discours. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Et donc, un gagnant d'âme, il y a un art. C'est quelqu'un qui sait il sait s'adapter aux situations. Avec les faibles, je fais comme les faibles. Avec les forts, je fais comme les forts parce que je suis fort, non pas moi, mais Christ qui vit en moi. Amen. Donc, le gagnant d'âme, gagner les âmes, ça s'apprend. Et d'ailleurs, Jésus a dit, tout à l'heure, on a lu le texte de Marc, chapitre 1, verset 17, où Jésus a dit, lorsqu'il recrutait les disciples, il dit, « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. » C'est-à-dire, je vous ferai, c'est-à-dire, je vais vous enseigner. Quelqu'un comprend, n'est-ce pas? Je vous ferai, c'est-à-dire je vais vous montrer, vous enseigner. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais vous apprendre pour gagner les âmes. Donc, gagner les âmes, oui, ça s'apprend. Et je crois que IEBI est une bonne école pour gagner les âmes. Alléluia, que quelqu'un dise amen. Amen, amen. Eh oui, Marlène, Bleu Voile, vous avez raison. Eh oui, vous avez raison de dire amen. D'accord? À IEBI, par exemple, on va apprendre, vous allez apprendre comment évangéliser. Vous allez apprendre, et ça a été dit dans les vidéos de témoignages, quelqu'un l'a dit, même plusieurs l'ont dit, je crois. Vous allez apprendre quoi faire avant l'évangélisation. Et d'ailleurs, c'est quoi l'évangélisation? Et vous allez savoir quoi faire avant, pendant et après, pour être encore plus efficace pour la gloire de Dieu. Amen. Et vous allez réaliser, bon là je donne déjà un peu de contenu, hein. Voilà, hein, quand même, hein, je donne, parce que je vous aime de l'amour du Seigneur, hein, donc je donne un peu de contenu. Hein. Vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs formes d'évangélisation, il n'y en a pas qu'une. Et la plupart des gens, lorsqu'on parle d'évangélisation, eux, tout ce qu'ils ont en tête, c'est sortir dans la rue, sortir dans les métros, sortir dans les parcs. Voilà, oui, ça c'est une forme d'évangélisation, mais ce n'est pas la seule. Ça là, c'est ce que j'appelle l'évangélisation ouverte, ou encore, j'appelle ça l'évangélisation de rue. Hein, c'est-à-dire que l'évangélisation ouverte, c'est quoi? C'est on s'adresse directement à des personnes qu'on ne connaît pas. C'est comme Philippe et l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Il a évangélisé d'une certaine manière l'eunuque éthiopien, il ne le connaissait pas. Voyez? Donc ça, c'est ce que j'appelle l'évangélisation ouverte. Après, d'autres donneront peut-être un autre nom. Mais moi, j'appelle ça l'évangélisation ouverte ou encore l'évangélisation de rue. C'est une forme d'évangélisation, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Et il y en a qui sont à l'aise avec l'évangélisation ouverte. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, qui sont plus à l'aise que d'autres. Il y en a d'autres, quand on leur dit, bon, on va aller dans la rue, on va faire une sortie d'évangélisation, on va aller dans la rue, on va aller à la gare. Il y en a, ils sont un peu tétanisés, ils sont un peu... Voilà. Et puis, il y en a d'autres, ils sont à l'aise. Voyez? Donc, il ne faut pas se dire que non, moi, je ne peux pas évangéliser parce que voilà, je ne suis pas à l'aise en parlant avec les gens que je ne connais pas. Voilà. Si tu n'es pas à l'aise, de toute façon, tu sais, quand on sort pour évangéliser, en général, on le fait par petits groupes. C'est-à-dire qu'il faut être avec quelqu'un qui est à l'aise et puis toi, tu es là aussi, tu évangélises pendant que lui, il parle, toi, tu es en train de prier en langue pour que son âme, son cœur soit ouvert. Amen. Donc, ça, c'est l'évangélisation ouverte. Après, maintenant, il y a l'évangélisation de proximité. Chacun mettra les mots qu'il voudra. Bon, moi, j'appelle ça l'évangélisation de proximité. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse directement à des personnes qu'on connaît. Vous voyez? Ce sont des personnes qu'on connaît. Et là, c'est au niveau dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, le milieu de l'école, de l'université, du voisinage. Voilà. Ça, c'est l'évangélisation de proximité. Je ne m'adresse pas à des personnes que je ne connais pas. Ça, c'est l'évangélisation ouverte. Je m'adresse à des personnes que je connais. Donc là encore, c'est pas la même approche. Dans Actes des Apôtres, on parle de Corneille. Corneille, il est dit qu'il devait recevoir l'apôtre Pierre chez lui. Et quand il attendait l'apôtre Pierre, qui devait venir chez lui, il a réuni toute sa famille. Il a réuni ses amis. Il a réuni sa famille. Pourquoi? Pour qu'eux aussi, ils soient évangélisés. Ça, c'est ce que j'appelle l'évangélisation de proximité. Et puis, la troisième forme d'évangélisation, c'est ce qu'on peut appeler l'évangélisation par influence. C'est l'évangélisation par l'influence. Et là, on s'adresse indirectement à des personnes qu'on ne connaît pas, mais qui nous connaissent. Vous voyez? C'est-à-dire que je ne connais pas la personne, mais la personne me connaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, par la grâce de Dieu, par la consécration, par l'obéissance à Dieu, par l'observation, par l'observation des instructions du Saint-Esprit, Dieu me place dans une position d'influence parce qu'il a dit que votre lumière brille parmi les hommes. C'est-à-dire que Dieu veut nous faire briller. Donc, tu arrives à une position d'influence où même des gens que tu ne connais pas te connaissent et apprennent ta foi et voient comment tu fonctionnes et désirent être comme toi et connaître ton Dieu, alors que toi, tu ne les connais pas. L'évangélisation par influence. Et donc, il y a même là aussi une manière de mettre ça, de maximiser l'évangélisation par influence lorsqu'on devient une personne influente. Amen. 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 Voilà quoi. Donc, bon, il faut finir, hein. Il faut clôturer, hein. Quand même, il faut clôturer cette masterclass. Et je terminerai en parlant des quatre piliers de l'évangélisation. Les quatre piliers de l'évangélisation. Donc, l'évangélisation pratique, c'est travailler sur la base de ces quatre piliers ou encore sur la base de ces quatre clés. Voilà, on peut mettre un peu le mot qu'on veut, mais quatre piliers. Alors, voilà, les quatre piliers de l'évangélisation pratique, c'est quoi? La première chose, mon frère, ma sœur, c'est un message que tu dois connaître et que tu dois maîtriser. Quel est ce message? C'est le message de l'évangile du royaume de Dieu. Quand on évangélise, on prêche le royaume de Dieu. Évangéliser, c'est pas Jésus t'aime. Il y a des gens, tu leur dis Jésus t'aime, ils disent alors ma femme aussi même, mes enfants même, mes parents même. Vous voyez, Jésus n'a pas dit d'annoncer Jésus directement. Jésus a dit d'annoncer le message de l'évangile du royaume. Donc c'est important de comprendre ça. Ça fait partie des piliers. C'est-à-dire que tu dois connaître le message, tu dois t'imprégner, tu dois de plus en plus maîtriser le message. Oh, il y a quelqu'un qui envoie un autre message pendant que je parle. Ah, ça y est, ça s'est arrêté. Tu dois maîtriser le message de l'évangile du royaume. Vous voyez? Actes chapitre 28, verset 23. La Bible nous dit que Paul annonça le royaume de Dieu. Luc chapitre 8, verset 1. La Bible dit que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, le message de l'évangélisation, c'est le message du royaume de Dieu. Ce n'est pas Jésus t'aime. Ah! Ben, il faut comprendre ça. Les gens ont besoin du message qui libère. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour le pauvre, c'est qu'il soit enrichi. La bonne nouvelle pour l'aveugle, c'est qu'il recouvre la vue. La bonne nouvelle pour le malade, c'est qu'il soit guéri. Or, tout ça là, c'est dans le royaume. C'est amené par le Saint-Esprit, à travers le sacrifice de Jésus. Donc, bien évangéliser, c'est maîtriser, c'est connaître et maîtriser de plus en plus, de mieux en mieux, le message de l'évangile du royaume. Ça, c'est la première chose. Deuxième pilier, j'avance pour terminer. Deuxième pilier, hein, le premier pilier, c'est un message. Le deuxième pilier, c'est une arme. Dis avec moi, une arme. Ah oui, pour évangéliser, ça va peut-être te choquer, mais pour évangéliser, il faut aller armé. Hein. Ah oui, oui. Quand on évangélise, on va armé. Oh, t'inquiète pas, hein, je ne parle pas des armes de feu, des armes à feu, pardon. Je ne parle pas des armes à feu, bien sûr, mais c'est une arme que tu dois aiguiser. L'arme, c'est quoi? C'est ton témoignage. L'arme, c'est le témoignage. Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus, du sang de l'agneau. Ça, tu ne peux pas. Ça, c'est le sang de l'agneau, ça, c'est Jésus qui l'a fait. D'accord? Et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, il y a deux armes qui concourent ensemble pour vaincre le diable, pour renverser les forteresses, pour repousser, pour détruire les prisons d'incrédulité que le diable met sur les gens. Il faut le sang de Jésus. Ça, c'est la responsabilité de Dieu et il l'a fait. Et il faut que ce soit accompagné de la parole de ton témoignage. En fait, tu dois réaliser, mon frère, ma soeur, que le témoignage de ta conversion, le témoignage de ta vie, c'est une arme. C'est une arme. Et chacun de nous a un témoignage. Et un témoignage, c'est une arme. Parce que pour vaincre le diable, dans un combat, quand on gagne à travers les armes. Donc, chaque chrétien que nous sommes doit aiguiser son témoignage. Quand tu aiguises ton témoignage, tu es en train d'aiguiser ton arme. Tu dois être capable, mon frère, ma soeur, de donner ton témoignage de plusieurs manières. Et même de le donner en plusieurs versions. Tu as la version courte. Quand tu parles à quelqu'un, mais tu sais que tu as peu de temps, tu envoies la version courte. Quand tu as un peu plus de temps, tu as la version normale. Quand tu as beaucoup de temps, la version un peu plus longue. Ou bien, Il y a même tu dois être aussi capable d'envoyer la version très courte de ton témoignage. Tu vois? C'est ça, maîtriser ton arme. Comme un soldat qui maîtrise son arme. C'est une arme. Le témoignage est une arme. Tu dois maîtriser ton témoignage. Tu dois maîtriser ton arme. Tu dois savoir comment... Tu dois scénariser même ton témoignage. Tu dois... Quelqu'un me suit ou pas? Ah, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Il faut s'inscrire pour qu'on ait le temps. Ah, miséricorde. Aïe, aïe, aïe. Donc, on finit. Oh, on finit, 5 minutes. Donc, on a dit les 4 piliers. Premier pilier, c'est le message. Quel message? Le message de l'évangile du royaume. Deuxième pilier, c'est quoi? C'est ton arme. Ton arme, c'est quoi? C'est ton témoignage. Troisième pilier, c'est quoi? C'est un partenariat. C'est un partenariat stratégique. Et ce partenariat-là, c'est avec le Saint-Esprit. Le partenaire de ce partenariat, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus a dit dans Actes chapitre 1, verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est-à-dire le Saint-Esprit va venir sur vous. Vous serez les partenaires du Saint-Esprit en gagnant dans votre œuvre de gagner les âmes. Le Saint-Esprit sera votre partenaire, c'est-à-dire que c'est un des piliers. Tu ne peux pas espérer être un gagnant d'âme efficace sans ce partenaire divin qu'on appelle le Saint-Esprit. Toute évangélisation, tout acte d'évangélisation, de proximité, ouverte ou d'influence, a besoin du partenaire des partenaires, le plus important, le Saint-Esprit. Alléluia. Marie-Jo dit, c'est très intéressant. Ben, bien sûr, mais on ne vous ment pas. Quand on dit qu'il obéit, ben, bien sûr que c'est très intéressant. Et encore, là, on n'a fait que quoi? 1 heure. Oui. Et pour finir, donc voilà, on a dit qu'il y a un message, une arme, et il y a un partenariat. Et la quatrième chose, c'est une empreinte. Ah oui, c'est une empreinte. C'est une empreinte, c'est quoi? Une empreinte, c'est comme une marque de fabrique. C'est une empreinte. C'est quoi l'empreinte? C'est quoi la marque de fabrique? Ce sont les signes et les miracles, c'est-à-dire le surnaturel. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte quand vous allez sortir évangéliser, quand vous allez parler du Seigneur, vous allez vous rendre compte que Dieu, c'est dans l'évangélisation, en vérité, qu'on voit le plus de miracles. C'est dans l'évangélisation qu'on voit le plus de signes et le plus de miracles. Marc chapitre 16, verset 20, il est dit que les disciples s'en allèrent prêcher partout. Après que Jésus leur ait dit d'aller prêcher partout, il lui dit que les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et il lui dit que le Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit, travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient la parole. Amen. Donc, quand des personnes vont sur le terrain de l'évangélisation, de proximité, ouverte ou bien d'influence, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu, c'est son battement de cœur. Dieu travaille avec ces personnes-là. Dieu travaille avec les gagnants d'âme. Il travaille avec les gagnants d'âme et lui, alors que le gagnant d'âme est en train de parler, lui, il inspire. Il inspire les paroles à dire. Alors que le gagnant d'âme est en train de développer son témoignage, il touche les cœurs. Alors que le gagnant d'âme est en train de prêcher la bonne nouvelle du royaume, le Seigneur produit des miracles et des signes. Voyez? Donc ça, c'est l'empreinte c'est l'empreinte qui va avec. C'est un des piliers. Voyez, non? Donc quand on sort pour évangéliser, quand on va évangéliser, mais que ce soit dans la famille ou bien, on demande, Seigneur, manifeste-toi et opère des miracles, opère des guérisons, opère. Tu veux parler du Seigneur à ton oncle qui ne veut jamais entendre parler de Dieu. Lui, il rejette Dieu, tout ce qui concerne Dieu, il rejette Dieu. Mais voilà, maintenant, ton oncle est malade. Ah, voilà, maintenant, ton oncle est alité. Ah, va voir ton oncle. Avant ça, tu pries, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste la gloire. Tu vas lui parler du Seigneur. Tu sais, papa, un tel, je t'ai toujours parlé du Seigneur, tu ne voulais jamais écouter. Mais te voici maintenant là, moi, je te propose une chose, c'est que je vais prier pour toi. Et tu verras. Si Dieu fait grâce, tu verras la puissance de Dieu. Et là, tu pries. Dieu aime ça. Dieu aime manifester sa gloire pour sauver, quand ça permet de sauver des personnes à travers l'évangélisation. Que quelqu'un dise Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, il y avait autre chose, mais bon, là, on n'a plus le temps. Sinon, si on avait le temps, mais ça, c'est à IEBI, hein. Là, c'est Inside, hein. Inside, il y a Inside et puis il y a IEBI, hein, tu vois. Inside, tu es au cœur, mais tu n'es pas vraiment dedans, quoi. Hein? Mais comme on n'a pas le temps, je ne vais pas vous parler de ça. Sinon, si on avait eu le temps, je vous aurais parlé de la conscience et de la connaissance de l'histoire de l'humanité. Quand tu connais l'histoire véritable de l'humanité et tu as la conscience de l'histoire de l'humanité, mon ami, ton seul désir, c'est de gagner des âmes. Ton seul désir, c'est de contribuer à gagner des âmes. Voyez. Le récit, il faut connaître le récit, connaître et comprendre le récit véritable de l'histoire véritable de l'humanité. C'est toute une histoire. C'est une histoire passionnante qui commence en Genèse chapitre 1, verset 26. Voilà. Dieu a créé les êtres humains. Est-ce qu'il a créé les êtres humains pour les envoyer en enfer? Non. Est-ce qu'il y a des êtres humains qui vont en enfer? Oui. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce possible? Et comment faire pour changer ça? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et là, on passe donc par l'œuvre achevée de Christ à la croix. Ah oui. Et quand tu comprends l'histoire de l'humanité, c'est comme un frère a dit tout à l'heure dans les témoignages, il dit que maintenant il est à l'aise de parler avec ses collègues qui sont des... Voilà, ils évoquent seulement des faits scientifiques. Oui, scientifiquement, si Dieu existe, scientifiquement, si Dieu existe. Eh, bien aimé, aujourd'hui, là, les scientifiques, hein, il y a un livre qui est sorti là, il y a l'année dernière, je crois, en septembre, octobre de l'année dernière, des scientifiques qui, en fait... Qui disent que, en fait, plus ils sont scientifiques et plus ils croient en Dieu. Parce qu'ils réalisent que, en fait, ça ne peut pas être le fruit du hasard, tout ce qu'on voit. Amen. Terrible, hein? Waouh. Bon, bien aimé, on va s'arrêter là. Hein? Le thème aujourd'hui de Inside IEBI, c'était je décide de devenir un gagnant d'âme. C'était ça le thème. Je décide de devenir un gagnant d'âme. Donc, bien aimé, si tu décides de devenir un gagnant d'âme, alors décide de t'inscrire à IEBI. Tu en sauras encore plus. Voilà, bon, c'est normal. Hein, le Insight, c'est aussi pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour que vous puissiez, en fait, par la grâce de Dieu, être exposé à un contenu qui est un contenu pratico-pratique, un contenu édifiant dans les différentes thématiques qui sont abordées à IEBI. D'accord. Donc voilà, bien aimé, excusez-moi, je crois que j'ai quand même débordé, hein, parce qu'il est 21h44, excusez-moi, j'ai fait de mon mieux. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller encore plus loin. Voilà, Yann, je te laisse là. J'ai tellement parlé, moi. Amen. Et on était tellement bénis. On peut rendre grâce à Dieu. Acclamons quand même le Seigneur. Et j'étais en train de me dire, Pasteur Christian, mais en fait, j'ai dit n'importe quoi au début parce qu'en fait, c'est Inside IEBI qui est la prédication globale. Hein, vous avez le même sentiment ou pas, les amis? Alors, en fait, il faut s'inscrire à IEBI pour avoir la profondeur. Parce que là, même en tant que formateur à IEBI, j'avoue que je me suis dit, mais pourquoi ça s'est terminé? Je n'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas pour vous, les amis. Je n'ai pas vu le temps passer. Il y a un truc, Pasteur Christian, que vous avez dit qui m'a marqué, parce que je me souviens d'une expérience que j'ai eue au travail quand je travaillais dans le monde bancaire en tant que conseiller. J'ai eu une fois rendez-vous avec un scientifique de l'Institut Pasteur, et puis essayant d'appliquer les cours qui ont été donnés ici, donc je cherche toujours des petites manières d'orienter le discours vers l'évangélisation. Et je me souviens que je lui posais des questions sur l'anatomie, et puis j'orientais un peu le débat, donc il m'expliquait comment le corps humain était une formidable machine, comment les globules blancs savaient quoi faire, comment, etc. Et puis donc moi, je l'emmenais dans mon piège. Et puis, à un moment donné, il me dit, donc voilà, c'est vraiment formidable, c'est vraiment une machine qui a été conçue, et il employait beaucoup ce terme-là. Et puis là, Pasteur Christian, je lui dis, mais en fait, vous êtes en train de me dire quelque part qu'en fait, l'être humain a été créé, en réalité, ce n'est pas un hasard. Et la réponse qu'il m'a donnée, Pasteur Christian et les amis, m'a choqué. Il m'a dit, on n'a pas le droit de le dire. Parce que si jamais on dit ça, vous vous rendez compte de l'impact que ça pourrait avoir sur la société de manière globale. Attends, Et lui n'était pas croyant. Il faut que tu répètes ça. Ah, ça, c'est... Qu'est-ce qui t'a dit? Voilà. Écoute, ne nous déconnectons pas. On était sur des arguments scientifiques. Pasteur. Il a dit, voilà. Il me dit, donc, je lui pose des questions naturellement sur son métier, et puis il me dit qu'il est... il parlait de tout ce qui était ADN, molécules, etc., du corps humain. Et puis, il m'explique des faits scientifiques qu'on a déjà entendus ici en cours, hein, comme quoi c'est formidable comment le corps humain, lorsqu'il y a une anomalie, comment les globules blancs se mettent en mouvement automatiquement pour aller régler telle chose, telle chose. Donc, je ne saurais pas le dire en jargon scientifique, mais tout ce qu'il me disait orientait le débat vers le fait que l'être humain a été conçu et programmé pour. Comme s'il y avait une intelligence derrière. Et moi, ça tombe bien, c'est là-bas que je voulais l'emmener. Même si je ne pouvais pas dire Jésus clairement dans la banque. Alors, je lui dis, donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, monsieur Tel, c'est qu'en réalité, c'est comme si l'être humain, l'humanité, ce n'est pas le fruit du hasard. Mot pour mot, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est que c'est une création. Et il m'a répondu, ça, on n'a pas le droit de le dire. Parce que si on le dit, l'impact que ça va avoir sur la société de manière globale, vous imaginez le bousculement sociétal que ça pourrait gérer. Et lui n'était pas chrétien, il n'était pas croyant, il était juste scientifique. C'est pour confirmer ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu avec cet homme qui était chercheur à l'Institut Pasteur, qui m'a dit mot pour mot, et je ne l'oublierai jamais, ça, on ne peut pas le dire. L'impact serait trop colossal pour l'humanité. Waouh! Waouh, waouh. Donc, on leur dit de ne pas dire. On leur dit de ne pas dire l'évidence. Ah, non, mais c'est terrible. C'est vraiment terrible. Incroyable. C'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes que ce ne peut pas être le fruit du hasard. Mais c'est tellement un si gros impact, ça veut dire. C'est donc, en tout cas, en fait, plus la science avance et plus la science... Et reconnaît que, en fait, Dieu existe. En tout cas, même s'ils ne disent pas Dieu, qu'il y a une intelligence supérieure, en tout cas, les choses n'ont pas été faites par hasard. Ah ouais, bah, en tout cas, gloire à Dieu. Hein. Quand on bénit le Seigneur, on a le temps qui est quand même bien écoulé. On avait quelques questions de plusieurs personnes. Je ne sais pas si on peut en prendre peut-être une ou deux avant de s'arrêter. On en a au moins 5 ou 6. Les questions, c'est à IEBI. Les questions, c'est à IEBI, c'est pas Inside. Inside, on est au milieu sans être au milieu. Donc, il n'y a pas de questions. Je prends toutes les questions, mais c'est à IEBI. Amen. Parce qu'il est tard. OK? Amen, voilà. En tout cas, on bénit le Seigneur. Le Seigneur, les amis. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce Inside IEBI, si ça vous a donné envie, comme moi, de refaire encore cette formation. Je suis formateur, mais je mange toujours la parole là-bas. C'est extraordinaire. Alors, sans transition, on va passer la parole à donc une personne qui sert au niveau de IEBI, qui représente l'équipe IEBI, qui va nous conduire sur ce court moment pour vous donner les différentes indications, instructions pour pouvoir donc passer de l'inside à IEBI. Alléluia. Donc, je laisse le passe à Marie maintenant. Amen. Marie, si tu es là, the word is yours. Oui, je suis là. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, nous rendons vraiment grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Je suis Marie d'Impact École Biblique Internationale. On est vraiment heureux d'être avec vous ce soir à cette masterclass Impact École Biblique Internationale. Et je crois que comme moi, vous avez été bénis ce soir. On rend vraiment grâce à Dieu pour la vie du pasteur Christian. Et je vais prendre le temps de répondre vraiment à plusieurs questions que j'ai vues d'ailleurs dans le chat. Et que qui sont des questions qui reviennent très souvent. Alors, je voudrais prendre aussi le temps de rendre grâce à Dieu parce que nous sommes aujourd'hui connectés. On est plus de 1000 personnes connectées sur les différents canaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou Zoom. Donc, vraiment, on voit qu'on est nombreux à vouloir répondre à l'appel au mandat divin de gagner des âmes. Alors, la première question, et ça, je l'ai vu plusieurs fois dans le chat, c'est quand commencent les cours? Donc, à quand la rentrée IEBI? Il faut savoir que la rentrée spirituelle et administrative commence le samedi 12 novembre. Et ensuite, le début des cours, pour le Pâques inébranlable, le début des cours commencera le dimanche 13 novembre. Et pour le Pâques victorieux et le Pâques conquérant, le début des cours commencera le dimanche 20 novembre, c'est-à-dire la semaine d'après. Une autre question également qui revient très souvent, c'est combien de temps durent les Pâques? Il faut savoir que le Pâques à IEBI, nous avons trois Pâques, trois programmes. Donc, on a le Pâques inébranlable qui dure 8 mois. Dans ce Pâques, nous avons 4 modules qui sont l'identité en Christ, la puissance du sang de Jésus, la personne la plus importante sur terre, le Saint-Esprit, bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes. Ensuite, nous avons le Pâques victorieux qui a une durée de 11 mois. Donc, nous avons également 4 modules dans le Pâques victorieux qui sont la prière qui produit des résultats, restaurer votre âme et devenez mature, combattre pour posséder son héritage et préparez-vous pour l'éternité. Et nous avons le Pâques conquérant qui dure 10 mois où nous avons le module donc, que nous avons vu ce soir. Nous avons eu une petite preview de ce module qui est le module sur l'évangélisation, pourquoi devenir un gagneur d'âme. Le module sur le ministère, c'est-à-dire la destinée, découvrez votre appel, accomplissez votre destinée. Le module sur les finances, gérez vos finances selon les standards divins et gérez votre temps selon les principes divins. Autre question également qui revient très souvent, c'est quel est le rythme de cours? Il faut savoir qu'à IEBI, le rythme de cours, c'est de 1 fois toutes les 2 semaines. C'est un rythme qui est alterné, c'est-à-dire que la première semaine, vous allez avoir le Pâques victorieux et la semaine d'après, vous allez avoir, il y a le Pâques inébranlable et le Pâques conquérant. Ce qui veut dire qu'une personne, et ça je réponds, ça me permet d'arriver à une autre question qui est de est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs Pâques? C'est une question également qui est revenue dans le chat. Eh bien oui, il est possible de cumuler plusieurs Pâques. Si vous prenez par exemple le Pâques victorieux, vous avez la possibilité de prendre le Pâques inébranlable ou le Pâques conquérant parce qu'il ne se passe pas la même semaine. Et même si vous voulez prendre le Pâques inébranlable et le Pâques conquérant qui se passent la même semaine, c'est possible. Il faut juste vous assurer de ne pas prendre les mêmes créneaux horaires. Voilà. Et à IEBI, on vous encourage à prendre jusqu'à 2 Pâques. Et pour le 3e Pâques, on vous conseille plutôt de pouvoir le prendre l'année d'après. Voilà, sinon ça risque de faire trop. Autre question, c'est qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Certaines personnes ne savent pas ce qu'est une classe virtuelle. Une classe virtuelle, c'est un temps d'échange connecté. Et il faut savoir qu'à IEBI, les classes virtuelles se font sur Zoom. Elles ont une durée de 1h30. Et durant ce temps d'échange connecté avec un formateur, il y a la diffusion de la vidéo de cours, il y a l'échange interactif avec le formateur qui prend le temps de répondre aux questions, les temps de prière et également des temps de témoignage et d'édification. Une autre question également, c'est y a-t-il un diplôme à la fin de chaque Pâques? Il faut savoir qu'à la fin de chaque Pâques, il y a un certificat de réussite qui est délivré et pour avoir le diplôme, eh bien, le diplôme sera délivré à la fin des 3 Pâques, c'est-à-dire une personne qui aura effectué et validé, bien évidemment, le Pâques inébranlable, le Pâques victorieux et le Pâques conquérant. Alors, c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, nous rendons vraiment grâce à Dieu parce que à Impact École Biblique Internationale, en tout cas, le module sur l'évangélisation a suscité beaucoup d'interactions, beaucoup de témoignages, même écrits. Et on a juste pris le temps de prendre quelques commentaires qui se trouvaient sur la plateforme IEBI pour vous les partager parce qu'on a trouvé ça quand même, on a trouvé ça fort. Alors et on prend le temps également de saluer tous les anciens étudiants et même les étudiants actuels d'Impact École Biblique Internationale parce que nous savons qu'ils sont également connectés. Alors nous avons par exemple Christelle Priscille qui dit « Ce cours me donne encore plus de force pour témoigner Christ aux croyants. Je retiens que nous avons été sauvés pour contribuer à sauver. Merci, pasteur Christian. » Et oui, nous avons été sauvés pour sauver également. Nous avons également Carmine Desrosiers qui dit « Encore merci, pasteur, infiniment. C'était encore plus bénéfique pour moi de me plonger à nouveau dans ce puissant et utile enseignement, lequel m'a, au nom du Seigneur, parler et inspirer de nouvelles choses par rapport à mon ministère. Ce module constitue, à mon avis, le socle même du pourquoi de mon appel par le Seigneur. On rend vraiment grâce à Dieu. » 2 autres témoignages également encore, si on peut juste avoir… ah oui, voilà. Donc, on a Michel Gâteau qui dit « Waouh, quel enseignement enrichissant. Je veux maintenant, à l'instant même, je veux sortir pour chercher des âmes pour Dieu. » Je crois qu'il y a des personnes connectées qui également ont cette envie après la masterclass de ce soir. Et nous avons Manuela Milok qui dit « Bonsoir, je ne comprenais pas toutes ces attaques. Aujourd'hui, je comprends ma position encore plus qu'avant. Je suis dans le corps d'élite des forces du royaume. Amen, amen. Gloire à Dieu. » Donc, voilà, merci de ce que la parole nous libère et ébranle notre ignorance. On rend vraiment grâce à Dieu de ce qu'elle y obéit. La connaissance ébranle l'ignorance. Voilà. Alors, ce soir, on vous avait promis des cadeaux. Eh bien, sachez que parce que vous êtes connectés ce soir, vous avez participé à cette masterclass, nous vous offrons un code promo qui vous permet de bénéficier une réduction pour une inscription à 34,99 € par mois pendant 9 mois au lieu de 70 € par mois pendant 9 mois. Le code promo, quel est le code promo? C'est EV22 pour Évangélisation 2022, donc EV22. Et profitez-en, ce code promo est valable jusque ce soir, donc n'hésitez pas, inscrivez-vous à Impact École Biblique Internationale. On a hâte de vous retrouver sur les bancs de notre école. Voilà, je redonne la parole à Yann. Amen, 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 amen. En tout cas, on rend grâce, on peut bénir encore le Seigneur, les amis. Merci pour ce temps, merci pour le temps que vous avez accordé, pour votre présence à Inside. Maintenant, il faut passer de l'autre côté du Inside, il y a IEBI qui vous attend. Amen. Yann, désolée, oui. J'ai oublié d'annoncer quelque chose de très important parce que je vois qu'il y a également encore d'autres questions. Sachez que ce soir, à la fin de ce live, il y a des classes administratives qui seront ouvertes pour toutes les personnes qui ont encore des questions. On prendra le temps de répondre à vos questions. Donc, pour les personnes qui ont encore des questions, restez à la fin du jingle de fin et on prendra le temps de vous recevoir dans des classes, dans des salles. Et puis, on répondra à toutes vos questions. Voilà, je te redonne la parole, Yann. Je reprends la parole, merci. En tout cas, on rend grâce, on est vraiment en famille, on est pressé de commencer cette rentrée avec vous, chers frères et sœurs. Quelqu'un, quelque part, vous supplie de faire IEBI parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de ce que Dieu a mis en vous, c'est-à-dire le salut, la lumière qui doit briller afin que d'autres puissent briller aussi à leur tour. Amen. On est vraiment bénis, Pasteur Christian. On vous laisse le mot de la fin et peut-être nous conduire aussi pour la prière de clôture. Simplement. D'accord, avec joie. Donc, pour le mot de la fin, je dirais juste que voilà, on a beaucoup parlé de voilà, IEBI, inscrivez-vous. En fait, quand on fait ça, c'est vraiment parce qu'on est convaincu à travers toutes les vies transformées, tous les témoignages, les milliers de témoignages qu'on a reçus depuis le début de cette école. On est convaincu que cette plateforme que Dieu a suscitée va vraiment vous aider, va vraiment vous faire du bien. En fait, c'est vraiment pour cela qu'on vous encourage à le faire. Il y a tellement de choses en fait qui sont importantes et pour lesquelles on passe à côté et on voit pas parfois la richesse ou la richesse de certaines choses et voilà, on vous encourage vraiment à vous inscrire. Moi, je fais partie de la première promotion, hein, ça j'ai pas dit, hein, partie de la première promotion. Donc voilà. Maintenant, pour en revenir au contenu d'aujourd'hui, c'est un contenu qui dépasse toute école biblique quelle qu'elle soit. Le contenu, c'est l'évangélisation, c'est le battement du cœur de Dieu. Et nous voulons être conscients de notre devoir. On a été sauvés parce que quelqu'un un jour nous a parlé du Seigneur. Où on a été exposé à un message, peut-être que la personne ne nous a pas parlé directement, mais indirectement, on a reçu quelque chose, parce que quelqu'un a parlé. Voilà. Et maintenant, nous aussi, soyons ces personnes qui parlent pour que d'autres autour de nous puissent être sauvés. En tout cas, c'est ma prière pour chacun d'entre nous que ce contenu que nous avons partagé, ce soir, vous ait contribué à allumer la flamme de l'évangélisation, bien à l'attiser, à la faire grandir. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Voilà, Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Merci, Père, encore pour ce moment. Merci pour cette plateforme. Vraiment, nous avons partagé des choses qui sont vraiment, qui correspondent au battement de ton cœur. Sauver les âmes, sauver les vies. Et nous l'avons fait à travers cette plateforme IEBI, qui est également une plateforme que tu as suscitée. Oui, nous croyons que c'est toi qui l'as suscitée, c'est toi qui, par ton esprit, permet à des milliers, des dizaines de milliers de personnes à être transformées au contact de ta parole et à travers les différents modules, formations qui sont dispensés à travers cette école. Nous te bénissons parce que tu as parlé à nos cœurs, tu as déposé un dépôt dans nos cœurs et nous croyons que plusieurs ont envie d'aller plus loin, plusieurs ont envie de découvrir encore plus. Alors accorde-leur la grâce, Seigneur, de faire ce qu'il faut. Et pour celles et ceux qui se posent des questions de comment ils vont pouvoir financer, Seigneur, étends ta main de grâce et accorde-leur, Seigneur, dans les prochaines heures ou les prochains jours ou les prochaines semaines encore, accorde-leur, Seigneur, la grâce de pouvoir trouver le financement nécessaire s'ils ne l'ont pas encore. Dans tous les cas, Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ces minutes, ces heures que nous avons passées ce soir dans ta présence. Merci encore de nous avoir rappelé l'importance de décider et de devenir des gagnants d'âme. Nous te bénissons. Tu es le premier d'âme, parce que tout a commencé par toi, Seigneur Jésus. Merci encore. Nous te bénissons pour nos nuits, nous te bénissons pour nos fins de journée, et nous remettons tout entre tes saintes et divines mains. Merci encore, Seigneur, pour cette semaine, pour la fin et la suite de cette semaine. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci infiniment, pasteur Christian. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Bonne soirée à toutes et à tous. Et on se retrouve de l'autre côté du Insight à IEBI dès le mois de septembre. Allez, à bientôt. Salut, salut.